1 Timothée, chapitre 4. Or l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge, défendant de se marier et commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être reçus avec reconnaissance de ceux qui croient et qui connaissent la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne, et rien n'est à refuser, si c'est reçu avec reconnaissance, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Si tu remets en mémoire ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine à laquelle tu es parvenu. Mais refuse les fables profanes des vieilles femmes, et exerce-toi plutôt à la piété. Car l'exercice corporel est peu profitable, mais la piété est profitable à toute chose, ayant la promesse de vie qui est de maintenant et de celle qui est à venir. Ceci est un propos fidèle et digne de toute acceptation. Par conséquent, nous nous adonnons et supportons les outrages, parce que nous avons confiance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Commande et enseigne ces choses. Que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un exemple des croyants en parole en comportement en charité en esprit en foi en pureté jusqu'à ce que je vienne sois attentif à la lecture à l'exhortation à la doctrine ne néglige pas le don qui est en toi lequel t'a été donné par prophétie avec les anciens posant les mains sur toi médite ces choses donne toi entièrement à elles afin que ton acquis puisse apparaître à tous Prête attention à toi-même et à la doctrine, continue en elle, car en faisant cela, tu te sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent.